Salut à tous. Bon voilà, après 6 heures de route, me voici arrivé à Fouly Lakes chez Constant Lebel. Donc je suis venu là pour 72 heures. On va faire 3 petites nuits. Le temps est idéal, super soleil, un environnement incroyable. Franchement, je peux pas demander plus. C'est vraiment ouf, ce plan d'eau est vraiment magnifique. Donc c'est un plan d'eau qui est constitué de 350 poissons jusqu'à 26-27 kilos pour la plus grosse, qui n'a pas été sortie depuis un bout de temps. Et environ une vingtaine de koi. Donc ce plan d'eau fait 11 hectares. Il y a WC et douche avec eau courante. Alors on va essayer de mettre en place une pêche du bord et une pêche en bateau. Donc je vais pêcher à 3 cannes, peut-être 4 selon le nombre de touches. Donc je vais déposer une de mes cannes la plus à droite en bateau en bordure. Et mes deux du milieu, je vais me faire un coup central avec un préamorçage au bateau. Et puis ensuite... on va venir envoyer quelques spombes pour attirer le poisson. Donc voilà. Bon, on va préparer tout ça. On va aller coussonder tous les temps. Et on va se mettre à pêcher. Let's go! Donc là, voilà. Je pars en repérage là pour mon coup central. Donc, les fonds sont assez ouf. C'est vraiment propre. C'est fouillé par les poissons. Il y a quelques petits herbiers. Donc, on va essayer de les éviter. Mais on peut vraiment apercevoir les carpes... à l'écho, c'est vraiment énorme. Donc là, on va vraiment préparer un coup à 80-100 mètres, pas plus que ça, 80-100 mètres. Et on va essayer d'attirer un maximum de cartes sur ce coup-là. Bon. Allez, on va préparer ça, on va éviter de faire tomber le portable dans l'eau, ça évitera d'aller en acheter un à Leclerc. Bon, bah voilà, les cannes sont mises. Il est 14h là. Donc j'ai vu un peu d'activité. J'ai trouvé pas mal de carpes à l'écho. Et là, ça fait maintenant 1h30, 2h que les cannes sont posées. Moi, j'ai pas de bip. J'ai eu 2-3 infos par Constant et un copain à lui qui me disait que c'était un peu lunatique ici. Ça pouvait autant mordre en journée qu'en nuit. Des fois les deux, des fois carnage la journée, des fois carnage la nuit. C'est vraiment aléatoire. Donc, je vais quand même essayer de faire des poissons en journée en relançant régulièrement 2 cannes et 2 autres cannes que je vais laisser vraiment poser seul en entendant la touche. Et là, il m'est arrivé une misère. Je suis parti, j'ai fait 600 km. J'ai oublié la poêle et j'ai que les conserves à cuire. Donc là, j'ai réussi à mettre la conserve sur le dessus comme ça. Mais bon, c'est pas ouf, l'odeur, enfin le goût est un peu bizarre. Mais on va le faire. J'ai demandé à ce qu'on me ramène une petite poêle s'il y avait moyen de m'en acheter une. Je pense que ça va le faire. C'était la petite anecdote. Voilà, et après ça, je vais aller faire une petite sieste parce que là, j'ai roulé de 2h à 8h30 ce matin. Là, je suis claqué, là. C'est vraiment la petite misère. Il y a un petit vent, là, qui souffle sur moi, là. Il y a un putain de soleil. Short, t-shirt. Que demander de mieux? Il est 17h, donc depuis que je suis arrivé, toujours rien. Ça fait maintenant 5h que ça pêche. J'ai eu tout à l'heure une toute petite touche, vraiment pas grand chose, 2-3 bips. Je pense que c'est un poisson qui est passé dans le fil. Mais compliqué à comprendre. Parce qu'en fin de compte, il y a des herbiers. Et je pensais vraiment bien les sentir avec le son de mes cannes en déposant les montages. Sauf qu'il faut savoir que là où je pêche, j'ai 1m50 à 2m d'eau. Et en fait, non, j'ai dû utiliser ma perche. Et en fait, il y a une fine pellicule d'herbe qui fait environ 3-4 cm, jusqu'à 20 cm à peu près. Et donc du coup, j'ai dû nettoyer tout mon cou central pour vraiment poser mes deux canaux propres. Et donc j'ai tenté un montage décollé de 20 cm pour intercepter en fait les carpes qui passeraient au-dessus des herbes. Et en bout d'herbe, j'ai mis mon montage et j'ai mis un autre montage décollé de 5 cm et je l'ai posé en fait sur un tout petit lit d'herbe qui fait à peine 1 ou 2 cm. Je le sens vraiment avec la pointe de ma perche. Donc je pense que ça peut changer des choses. Et tout à l'heure là j'ai fait un petit bip sur une canne que je venais juste de reposer. Et en fait je l'ai reposé sur un endroit ultra propre. Là il y a 2-3 mètres carrés,
C'est un petit peu de vase blanche quoi, et c'est très très propre. Donc je pense que celle-là a la moyenne déroulée. Et ma petite canne qui pêche en bordure là-bas à 10 mètres du bord, là dans 2 mètres d'eau, je ne l'ai pas touchée de l'après-midi, je sais qu'elle est bien placée. Donc on va attendre. Là la nuit commence à tomber. J'espère vraiment faire des touches avant la nuit quoi. On va voir ça. Bon, allez. Donc là voici la petite Koi Ghost, donc une toute petite miroir de 4 kg à peine. Donc c'est vraiment un super poisson, super écaillage. C'est un poisson je pense qui a vachement d'avenir. Bon voilà, il est 9h, donc il est temps d'aller prospecter l'autre poste qui est tout loin là-bas derrière l'île. Vraiment y voir du poisson et prendre ma décision de partir ou de rester là et d'insister. Je sais vraiment pas s'il faut que je reste la journée, j'attends que les poissons rentrent sur le coup, je sais pas. Là je sais vraiment pas, c'est pas mon style de pêche ce genre d'étang, les gravières, tout ça. Il faut attendre, faut être patient et je pense vraiment que je vais trouver du poisson. Je vais aller voir ça. Bon, l'amorçage est fait maintenant. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et attendre que le poisson s'invite au repas. J'espère vraiment faire quelque chose avec cette technique. J'espère vraiment. Croisons les doigts, les gars. Putain, tout s'est arraché. Tout bivy s'est envolé. Putain, je viens de remettre l'avant, tout s'est arraché littéralement, putain, tout pété là-dedans, ah la vache, putain de bordel de tes morts là, oh, tout arraché, tout est trempé, tout est par terre, les trucs ils sont volés partout, oh putain, tempête de malade, je viens de vivre un moment de taré, la tente qui s'envolait avec cette putain de tempête. J'avais plus de tente, j'ai tout remis à l'arrache dessous. La tente est arrachée, le broulé il est explosé. Le broulé il est plié en quatre. Et là, tout est trempé, tout c'est le... là c'est le bordel, non. Bon, putain, je suis trempé. Voilà. Oh, misère, il est 17h30, misère. Grosse misère qui s'est... Oh là, même la batterie là. Ouah, pas bon. Ouais, je sais, chez tout ça, les sticks ils ont commencé à fondre. Fait peur ça aussi, mais elle me le fait peur. Oh la misère, ça souffle à bloc. Bon, il est 20h, on est dimanche soir là, et donc depuis 10h ce matin que j'ai installé les cannes, toujours rien, pas de bip, toujours rien. Donc faut prendre son mal en patience. Là on va vraiment espérer faire un beau poisson pour venir payer tous ses efforts. C'est quoi cette connerie là? Et
Bon, on va rien lâcher. Là, je vais retourner remettre quelques billes sur mes cannes parce que sachant que je pêche en bordure, en fait, du bord avec ma pêche, j'arrive à lancer mes billes. Donc là, je vais vraiment en remettre quelques-unes histoire d'en mettre un petit peu de fraîcheur sur les coups. Parce que sachant que je pêche en billes solubles, là, je pense que depuis 10h ce matin, même si l'eau est froide, je pense qu'il n'y a plus grand-chose en fait dessus. Donc je vais la remettre un petit peu et je vais mettre quelques billes denses avec tout ça. Et on croise les doigts une fois de plus pour la nuit. Allez. Que j'ai pas fait un bip, ça devient compliqué. Je me pose des questions, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que les poissons viendront sur les appâts? Est-ce qu'ils sont bordés sur les appâts naturels? Est-ce qu'elles ont tout simplement pas faim? Je sais pas. Ça se promène pourtant, je vois quelques poissons, mais c'est difficile. C'est difficile. Bon, aujourd'hui, je sais pas si je vais faire un touche dans la journée. Pour cette nuit, on va essayer d'y croire à nouveau, sachant que je vais rester 48 heures sur ce poste. Peut-être que les cartes méfiantes vont rentrer sur les trois morsages que j'ai préparés. On va bien voir, il y a une canne que j'ai pas touchée, ça fait plus de 24 heures que je pêche. C'est une petite pop-up, je sais que c'est pêchant. J'ai remis trois cannes ce matin là, aux mêmes endroits quasiment, hein. Je remets sur les amorçages. Bon, on va voir, on va croiser les doigts et puis on va contempler le paysage pendant ce temps-là. Putain les gars, ça c'est bon ça. J'ai pas pu filmer la touche en plus comme un con parce que je venais de remettre la GoPro à charger. Et putain, pleine journée. Waouh, je suis refait. Constant qui arrive en plus, nickel. Bon bah voilà les gars, elle est là la petite coque que je recherchais. C'est pas un gros poisson mais c'est un super poisson qui mesurait quelques centimètres il y a un an. Elle faisait 30 centimètres d'après Constant. Donc là c'est un poisson qui a pris en masse et en taille. Super poisson. Elle a vraiment gardé ses couleurs. Elle n'est pas devenue pâle. Vraiment un super poisson prise sur un petit dumbbell jaune, sur une canne que je venais de poser. Super poisson. J'étais venu pour ça et puis maintenant je vais pouvoir partir heureux de cette pêche. Bon, allez, je vais la remettre dans l'eau et puis on va espérer en faire d'autres. Bon les gars, c'est bon, ça commence peut-être à rentrer. Je pense avoir trouvé un tout petit truc qui fait que j'ai réussi à faire deux poissons aujourd'hui sur la même canne. Voici une superbe miroir avec un ventre bien ventru. Regardez ça, super poisson, super belle, super combat. Un poisson qui a les veines qui sortent sur le ventre, je pense que tellement elle kiffe manger cette petite miroir. Super content, toujours pris sur mon dumbbell jaune et sur un amorçage très simple. C'est bien qu'en fait je pose ma canne et je viens juste y mettre une pelle de pelée. Je pense qu'il en faut pas plus pour la saison là.
Bon, allez, je vais la remettre à l'eau et. En espérant que la nuit fonctionne, demain je pars à 8h. Bon voilà, on attaque la dernière nuit de ce petit 72 heures. J'ai un peu de fatigue sur moi là, je suis un peu claqué. Donc là il est 22h, je pars demain matin à 8h, donc je vais plier vers 7h. Parce qu'il faut savoir que j'ai 6 heures de route pour rentrer en Bretagne. Donc voilà, pour résumer un peu la pêche, donc là j'ai fait 4 poissons pour le moment. J'attends toujours ma grosse carpe ou ma grosse foulie. C'est assez compliqué. Je pense que... Je vais y revenir très rapidement là en décembre parce que je commence à connaître un peu le plan d'eau et puis à voir comment les poissons se comportent. Et là, je sais que j'ai réussi à leurrer des poissons sur des appâts un peu spéciales, genre dumbbell jaune, de petites pop-up qui ressemblent à rien du tout là. Et tous mes appâts naturels, enfin tous les appâts en billes ou tout de ce genre, j'ai vraiment pas fait une touche. Donc là, pareil, j'ai tout fait au spot. Donc, j'ai déposé une ligne, bam, je mettais une petite pelletée de pelet, ça a déroulé. Les spots où j'ai amorcé lourdement, que dalle, rien. Donc, je pense que c'est pas la meilleure solution, du moins pas en cette période. Donc là, voilà, il me reste 8 heures de pêche. Je vais croiser les doigts une énième fois pour essayer de faire un gros poisson, une grosse foulie. Mais sans ça, la petite coy, elle m'a refait carrément la pêche, elle m'a carrément refait mon année de pêche, parce que c'est ma première coy depuis que je pêche la carpe. Donc vous voyez, ça fait quasiment 14 ans que je pêche la carpe. C'est ma toute première coy, donc je suis vraiment heureux. Mes 6 heures de route, ils vont se faire tranquillement après ce petit poisson-là. Donc voilà, bon bah je vous dis à demain matin avant mon départ, et puis en espérant vraiment faire un poisson. Bon, je viens de faire une touche à du coup, mais un peu bizarre cette touche. C'était un peu une touche retour. Et puis au moment de prendre la canne, j'ai senti un poisson, mais je sais pas si c'est un poisson qui était au bout de la ligne ou si c'est un poisson qui s'est emmêlé dans la ligne vraiment loin là-bas, parce que j'ai vraiment senti le poisson assez loin. Donc je sais pas. J'ai retendu la ligne là, un petit peu à l'arrache, parce que j'ai pas envie d'aller en bateau à cette heure-là pour aller effrayer les poissons sur les autres cannes. Donc j'ai vraiment remis un petit peu trop à l'arrache, mais bon, on va bien voir, j'ai encore 3 cannes ultra pêchantes. Il va être 23h là, donc j'y crois encore. Allez. Bon voilà, la session se termine. Donc pour ma dernière nuit, j'ai pas fait de bip. J'ai fait qu'une touche hier soir. Je pense que c'est un brochet qui a mordu au dumbbell en fait. J'ai eu une sensation bizarre au bout de la canne. Et avec une touche très bizarre. Donc voilà, rien de plus. Donc 4 poissons au total. Donc bon, c'est le jeu. Je pense que c'est un état qui est quand même assez difficile. Mais il y a un super cheptel. Franchement, de ce que j'ai vu sur les échos et sur le drone, il y a vraiment du poisson à faire. Donc c'est pour ça que je vais décider de revenir d'ici quelques semaines, retenter ma chance. Et peut-être essayer de faire une grosse foulie, une grosse miroir ou encore d'autres coïs. Donc voilà. Donc je remercie Constant pour ses services et son lac superbe. Et je remercie aussi son collègue Jean-Philippe qui m'aura servi à me ramener 2-3 courses et un peson qui m'a fallu. Donc voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram et tout ira bien.